لنا وصية. أولا منظمين ومنظمين وكل منظم، وخلنا وصية كبيرة هي جزائر حرة، جزائر ديمقراطية. هذه وصية كوا كون ديز البخومي سكريتار بالعسل تكلم على الرجل هذا، رجل حوار، رجل الى رجل سر. إن جامي ترانزيتي إن جامي باردون إن جامي جامي. وانا جي بو بارلي باسكو جي تي كيما قلت لكم ان كومبانيون معاه. إن جامي جامي سور يا بلين روج تاعو. لا لين روج واشنو؟ حقوق الانسان، لو دوا دو لوم. دوزيامون لا ديموكراسي، لا ديموكراسي، لا ديموكراتيزاسيون غيال. اي تخوازيامون لي ليبرتي، توت لي ليبرتي. مادام ما فيها لي ليبرتي دو لا فام، دو جون اتسيتيرا. توت لي ليبرتي. دونك لا لين روج تاعنا. Et c'est aujourd'hui, c'est la commémoration de Tao. Nous continuerons démocratie, les libertés et les droits de l'homme. Quoi qu'on fasse, ou avec les colonnas, on est en train de négocier, on ne négocie rien, on négocie une seule chose. Il y a une seule chose qu'on peut négocier, la démocratie. Les libertés, les droits de l'homme. Et bien sûr, le changement radical. Le changement radical. Nous sommes très heureux que Borga, que Missouci, que d'autres soient libérés. Nous sommes très très heureux. Ils ont été libérés. Borga a été libéré le Bayah, mais il doit passer une autre marche en justice. Regardez le problème de l'homme. Mais retourne gauche. Ce que nous demandons, c'est une décision politique. La libération sans condition, de tous les détenus d'opinion. La chute de l'hôpital contre nous a été libérée de marche. Là, parce que ce sont des emprisonnements. Ce sont des détentions arbitraires, politiques, et leur libération doit être politique. Il n'y a pas à dire non. On accepte, même si on est très heureux de leur libération, mais nous demandons à ce qu'il y ait une libération sans condition et qu'il n'y ait rien sur leur dossier. Machid, on a libéré plusieurs, 60 ou un peu plus, 76. Ils ont été libérés, d'accord. Mais dans leur dossier, dans leur curriculum vitae, le document Tahrom, il y aura toujours, ils ont été emprisonnés avec l'effacement. Total. L'effacement. Ils sont innocents et il faut qu'ils soient innocents toute leur vie. Donc, on les a relâchés. Oui, ils ont été relâchés, ils sont fiers. Mais il y a une chose. N'oublions jamais qu'ils ont été mis en prison. Pourquoi? Pour leur avis politique. Parce que j'ai raï à l'Amazérie, on l'a relâché, il va repasser. Mais dans leur dossier, ils ont été emprisonnés. Donc, nous demandons l'effacement total de toutes les condamnations qu'ils ont eues. Donc, mais retournage, Borga,
Lakin, on demande à ce que Borga soit propre, net et précis. Il soit propre. Kimakan, ancien Moudjahed, il parle d'ancien Moudjahed. Club Nahna, il est ancien Moudjahed. Mais on veut que, qu'il y ait. On ne va pas demander des excuses, parce qu'ils ne feront pas. Mais qu'il y ait une réhabilitation totale et définitive de tous les détenus d'opinion. Au même sens, il y a encore plus d'une centaine en prison à cause de leurs détenus d'opinion. Donc nous demandons à ce qu'il y ait réellement une libération totale et sans aucune trace dans leur dossier. Et qu'ils soient réhabilités. Là, nous demandons la réhabilitation totale et définitive de tous les détenus d'opinion. Hada Ojmaha, mais retournez pas. C'est pour ça que je vous dis Hada Raji, Hada l'Amlak, Hada l'Amlak, Khlana Osaya, Algérie libre, Algérie démocratique et Algérie des droits de l'homme. Et nous devons être à sa hauteur. Je vous remercie. Hada Ojmaha.